Pas tous les amis hébreux très utiles qui habitués à écouter émission ça. Et chaque mercredi, 7h30. Chaque jeudi, 7h30. Et nous sûrs et certains que vidéo ça va arriver joindre nous dans réseaux sociaux yo, et la permettre ou comprendre en pile bagaille dans la Bible. C'est bien-aimé ou frère David Sirail. Assoyez sujet, c'est sur Satan. Bon, moins défini un peu pour sur sujet ça qui réellement y a un sujet problématique et qui bail en pile problème et nous t'arrêmer gagner et quelques résultats de problème ça. En pile prédicateur prêcher Satan pour faire moun peur ou bien pour montrer moun yo gen yon monstre gen yon diable en que Dieu et qui en contravention avec Dieu et gen problème avec croyant yo. N'am dit que faut porter attention. Regardez très bien dans la Bible. La Bible, y'aurait la Bible la bonne nouvelle. Bonne nouvelle signifie bonne chose, quelque chose de bon pour le monde. De Genèse jusqu'au Apocalypse, la Bible montre clairement que la Bible y'aurait la bonne nouvelle. La Bible pas gagné mauvaise nouvelle la donne. Même lors chercher à travers toute la Bible, tout ça qui est écrit dans la Bible, ce sont de bonnes nouvelles. Rien de mauvais. Tout est bon. Justement pour la gloire de Dieu. Écoutez clairement. Qui ça Satan y est? En pile prédicateur dit Satan c'est un être, un esprit là pour dévorer moun k'ap servi bon Dieu et c'est pas une bonne chose. Mais ni Satan ni diable ni démon ni serpent ancien ni le dragon. Hey, y a pas des mauvaises choses, ce sont de bonnes choses. Justement pour faire avancer votre foi en Christ. Écoutez, à maintes reprises, la Bible nous indique que le mot Satan est un nom commun qui désigne tous les représentants du même genre. C'est ce que dit la Bible. Plutôt que de nom propre qui s'appelle à un ange mythique issu de la spéculation d'un raisonnement erroné. Dans son sens, ça veut dire le sens du mot Satan, il signifie adversaire. L'Écriture nous indique qu'il est même possible d'employer le mot Satan dans un double sens. Ça veut dire le mot Satan capable d'employer à double sens. Il est capable d'une double explication selon la Bible. Écoutez, prenons l'Égypte. Vous savez très bien, l'Égypte
était l'adversaire d'Israël. Le pays d'Égypte, les Égyptiens étaient des adversaires des Israélites. N'oubliez pas que Satan signifie adversaire. On va voir. De même que les Israélites étaient l'adversaire des Égyptiens. Yon adversaire l'autre. Yon pa vle wè l'autre. Comme dit le monde est l'adversaire du chrétien. Tout comme le chrétien est l'adversaire du monde. Yon pa vle wè l'autre. C'est ce qu'on a appris par la Bible. La chair est l'adversaire de l'esprit. C'est ce que dit la Bible. Tout comme l'esprit est l'adversaire de la chair. En d'autres termes, yon c'est adversaire l'autre. Yon pavli roué l'autre. Égypte pavli roué Israël. Cela veut dire Israël, Égypte était le Satan contre Israël. De même, Israël était l'adversaire de l'Égypte. Maintenant, puisque Israël était l'adversaire de l'Égypte, eh bien, Israël était le Satan, puisque le Satan signifie adversaire, donc de l'Égypte. Tout comme le monde est l'adversaire du chrétien, eh bien, tout comme le chrétien est l'adversaire du monde. C'est ce que dit la Bible. La chair est l'adversaire de l'esprit. C'est ce que dit la Bible. Et l'esprit est l'adversaire de la chair. C'est ce que dit la Bible. À maintes reprises, la Bible identifie que ces mouns, les humains qui sont des satans. On va voir. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Je lis pour vous, mais prenons le verset 14 de préférence. Car vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, ce sont des hommes, les mêmes maux, ça veut dire le mal qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Verset 15. Ce sont des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur. Ce ne sont pas des démons, mais ce sont les Juifs qui ont fait
mourir le Seigneur Jésus. Et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu. Ce ne sont pas les démons mythiques, mais ce sont les hommes, les humains, et qui sont ennemis à tout, qui sont ennemis de tous les hommes. Maintenant, avançons avec la lecture. Nous empêchons de parler aux païens. Ce sont les juifs qui nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ce sont les juifs. En sorte qu'ils nous cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Mais la colère, qui c'est la colère de Dieu, a fini par les atteindre. Verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps et non de cœur, séparés de corps et non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Verset 18. Aussi, nous voulions nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Qui sont les Satans? Les Juifs. Les Juifs méchants qui sont des Satans, des démons qui ont empêché Paul d'aller voir les païens. Maintenant, la Bible dit que le mot Satan signifie adversaire. C'est très bien. Maintenant, dans l'Ancien Testament, la Bible utilisait Satan sous plusieurs formes, mais sur la forme d'adversaire. Écoutez, dans Nombre 22, verset 22. Écoutez. Mais la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il s'en allait. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il s'en allait. Et l'ange de l'Éternel se tint dans le chemin contre, comme un adversaire, entre parenthèses, comme un Satan contre lui. Nombre 22, verset 22. La Bible montrait que colère bon Dieu s'enflamma, enflammé contre Sila qui devait aller. Mais l'ange de l'Éternel campait dans le chemin comme un adversaire, avait dit comme un Satan, contre Sila pour parler. 1 Samuel 29, 4 montrait clairement que la Bible dans l'Ancien Testament utilisait le mot Satan. Qu'il ne descende point avec nous dans la bataille, de peur qu'il soit un adversaire contre nous. À la place adversaire, on met Satan. De peur qu'il soit un Satan contre nous dans la bataille.
voyez, dans l'Ancien Testament, on n'utilise pas le mot Satan, mais on utilise adversaire. C'est la même chose qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et on utilise Satan, mais dans l'Ancien Testament, on utilise adversaire. 2 Samuel, chapitre 19, verset 22. Et David dit, qu'ai-je à faire avec nous, fils de Seruja? Car vous m'êtes aujourd'hui des adversaires, remplacez des adversaires par des satans. Vous m'êtes aujourd'hui des satans. 1 Roi, chapitre 5, 4. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos tout alentour. Je n'ai point d'adversaire. En d'autres termes, je n'ai point de Satan. 1 Roi 5, 4. 1 Roi 11, 14. L'Éternel donc suscita un adversaire à Salomon. En d'autres termes, l'Éternel suscita un Satan à Salomon. Comment Satan s'arrêlait? Hadad et Duméen, qui était la race royale des Dômes. C'est ton mot. Yon Satan, yon adversaire. Dieu suscita aussi un autre adversaire. Remplacé adversaire par Satan, Dieu suscita aussi un autre Satan à Salomon. À savoir, Rezon, yon moun, fils d'El-Jada. 1 Roi 11, 25, Rezon. Rezon fut donc Satan d'Israël que le Seigneur est capable de bénir et pour l'autre émission. Et nous gagnons un appel très urgent et nous relions après. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.